Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Recettes de Camélia. Aujourd'hui, je prépare avec vous une petite salade de choux. C'est un mélange sucré-salé, délicieuse, équilibré, avec sa petite vinaigrette. J'espère que vous essayerez la recette et je vous laisse avec les ingrédients. Pour préparer notre salade de choux, il va nous falloir du chou blanc que j'ai coupé très finement, comme ceci, une grosse pomme golden que j'ai coupé en petits cubes avec la peau et que j'ai légèrement citronné. J'aurai besoin de fromage râpé et de petits morceaux de fromage d'emmental coupés en petits dés. Besoin d'une poignée de raisins secs que j'ai trempé dans un peu d'eau, à peu près un quart d'heure pour qu'il gonfle. J'aurai besoin aussi de cerneaux de noix que j'ai coupé en petits morceaux. Et pour ma vinaigrette, j'aurai besoin d'une cuillère à café de moutarde, une gousse d'ail râpé, un petit peu de vinaigre, sel, poivre et huile d'olive. Donc dans un saladier, je mets mon chou ainsi que ma pomme golden. Je rajoute les raisins secs, puis le fromage et les cerneaux de noix. Je mélange le tout comme ceci. Puis je vais préparer ma petite vinaigrette. Donc dans le petit bol, j'ai ma moutarde ainsi que ma gousse d'ail râpée. Je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une cuillère à soupe de vinaigre et je rajoute progressivement l'huile d'olive comme ceci. Puis je vais diluer un tout petit peu ma vinaigrette avec un peu d'eau, à peu près une cuillère à soupe d'eau. Voilà, la consistance de ma vinaigrette est comme ceci. Voilà, ma salade est prête. Elle est équilibrée, rafraîchissante et délicieuse à la fois. J'espère vraiment que vous essayerez la recette et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos abonnements et cliquez sur la petite clochette pour avoir les nouveautés. À bientôt !